Bonjour, bonjour à tous. Comment vous allez? Bon matin. Moi, je vais super bien. Votre impacteuse. Francine, faut souffrir de ça. Ouais, ma chère. Quand je te parle, on se comprend. J'ai fait ça parce que je veux pas assister à ça. Je veux pas que tu sortes. Donc, bref, j'ai fait ça comme ça. Faut accepter ça. C'est dur, mais accepte. C'est mieux comme ça. J'ai fait ça si on veut voir pour te couper un peu l'herbe sous les pieds. Nous deux, on se comprend. Nous deux, on se parle matin, midi, soir, donc on se comprend très bien. Au-delà de cet aspect, je viens rafraîchir la mémoire. J'ai dit que cette vidéo-là, partagez-la. Partagez-la pour que quand on va quitter là, on va se respecter. Rassurez-vous, j'ai reçu la vidéo. Ma nièce en a reçu, tu réponds pas. On n'a pas le temps pour ça. J'ai dit que je n'ai pas le temps pour ça. Mais je vais rafraîchir la mémoire des gens. L'impacteuse est arrivée sur les réseaux sociaux. Ça fait comme, je peux dire, ça fait pas 18 mois que je suis sur les réseaux sociaux. Ça fait un an et quelques jours. Quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux, je suis venue en solo. Je suis venue, quand on dit solo, single, toute seule, que je suis venue sur les réseaux sociaux et je débattais ma cause. Mais quand vous voulez parler, parler, j'ai vu hier, ça a commencé. J'ai toujours dit que c'est vous les abonnés qui êtes la problématique sur les réseaux sociaux. J'ai dit, quand vous partez de telle page à telle page pour aller dire, c'est Monica Z qui a défendu Eka, et pour ça que c'est comme ça, si c'était à refaire, je vais défendre Eka avec virulence comme je l'ai fait. C'est ça qui vous fait souffrir. Lolo Beauté a fait une vidéo, comme j'ai vu hein, les commentaires de part et d'autre. Par aujourd'hui, ma vidéo, c'est pour vous les abonnés. Je vous éclaircis, c'est-à-dire la mémoire. Je vous rafraîchis la mémoire, comme j'aime dire. Lolo Beauté a fait une vidéo comme Lolo Beauté l'a comment on appelle ça? Lolo Beauté l'a soutenu contre l'autre, tout et tout, tout et tout. Vous savez, je pense que cette vidéo-là, ça va être la vidéo même de, ça dit de la paix où tout est gâté en même temps. Lolo Beauté là, que vous voyez là, c'est moi l'impacteuse qui ai provoqué Lolo Beauté. Vous, ça dit, cette vidéo va être longue mais partagée là. C'est moi qui l'ai provoqué, parce que c'est moi qui ai fait une, quand il dit provoquer, c'est moi qui l'ai interpellé la première fois dans une vidéo sur Carmen Sama. Je n'ai pas apprécié que le fait qu'elle connaissait Carmen Sama, elle est sortie sur elle, mais c'est plus tard que j'ai compris que c'était le game. Quand nous, on est venus sur les réseaux sociaux là, on avait pris les choses au premier degré, mais eux, ils étaient dedans, ils avaient compris le mouvement. Après ça, il y a eu l'affaire de son frère. Mais de vous à moi, ou que Lolo Beauté l'a insulté, j'ai fait une vidéo sur son frère qui a fait bim sur lui. Vous n'avez pas trouvé normal qu'elle aussi sorte pour se défendre? Comme d'habitude, elle s'est défendue de sa façon qu'elle pouvait. Moi aussi, je suis ressortie, je me suis défendue. Donc, Lolo Beauté et moi, il ne peut pas avoir un problème, ça dit que particulier. Sortez de vos émotions. On est sur les réseaux sociaux ici. Sortez de vos émotions. Il y a ma Abidjan là, je trouve Lolo Beauté là-bas, je peux la rencontrer. Je trouve son frère là-bas, il a prononcé son nom. Je trouve Makoso Abidjan, je cherche à voir Makoso. Parce que à un moment donné, il était dans le deuil. J'ai fait une vidéo qui l'a peut-être, ça l'a mis mal à l'aise. Mais moi, je suis bêté, je connais dans la tradition. Donc pour ça, on sort ici, on rentre ici, on attrape ici. Continuez d'attraper, vous les abonnés. Est-ce que vous êtes payés? Ça fait moins de 18 mois ici sur les réseaux sociaux. Ma chaîne Facebook est monétisée. Ma chaîne YouTube est monétisée. Ça dit que je sais ce que je cherche sur les réseaux sociaux. Mais quand vous prenez pour moi là-haut, et puis vous envoyez sur d'autres pages, vous commentez, si on vous paye là-bas. J'ai mon travail au Canada, j'ai mes affaires, et puis j'ai mes réseaux sociaux qui me rapportent. Je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux pour parler, ouais, et puis ça ne donne rien. Vous avez compris? Parce que j'ai vu vos commentaires. Je suis allée défendre Eka. C'est pour ça que c'est. Et puis après, si j'ai défendu Eka, et puis après, je l'assume, je l'ai défendu. Je l'ai défendu en temps et lieu. Et puis je l'assume. C'est quoi votre esti de problème, hein? Vous avez un esti de problème. Ça dit, je voyais ça hier et des gens envoient la vidéo, des vidéos, la vidéo à ma soeur. Non, faut répondre pour défendre ta tante. Répondre de quoi? Ma soeur, ma nièce va jamais répondre à ça. Moi-même, je répondrai jamais à ça. J'ai dit, je me défendais déjà sur les réseaux sociaux. Aya a insulté son mari. Mon mari ne connaît pas le visage de Aya. Si c'est ça qui vous fait souffrir là. Hein? Aya a insulté son mari. Aujourd'hui, c'est je n'ai pas insulté Aya. Hein? Je ne l'ai pas insulté. Oui, dans la vraie vie, c'est moi l'aîné si je l'ai insulté. Mais quand tu insultes au
aussi la petite sœur publiquement, tu t'attends à quoi? Hein? Quand tu frappes un enfant là, tu peux l'empêcher de pleurer. J'ai dit, soyez juste. Soyez juste parce que Aya, vous la diabolisez là. Vous partez chez Aya là-bas. Vous mettez les cœurs là-bas. Nous tous, on regarde les vidéos de Aya. Quand Aya fait ces vidéos là, il y a combien de personnes qui mettent les crânes de mort là-bas? Donc, ça veut dire qu'elle a ces personnes qui l'aiment. Et vous êtes là. Vous, ça veut dire que les gens sont souvent dans l'erreur. Les gens sont dans la bêtise. Vous pouvez jamais. Ça veut dire que, dis, mais attention, ça suffit. On est là, on persiste dans la bêtise. On persiste dans la bêtise. J'ai dit, votre haine sur les réseaux sociaux là, je suis pas dedans. Je l'ai dit si ho ha. Je me suis toujours défendu seul. Quand j'étais dans la tempête, oui, c'est vrai, on est venu, on m'a défendu. Mais j'ai défendu aussi là-bas. Je n'ai pas laissé quelqu'un sur les réseaux sociaux. Mais vous avez quel problème? C'est quoi votre problème? On fait ça, non, c'est comme ça. On amène. Donc, pour vous, la paix va jamais venir, quoi. On va jamais faire la paix. On va rester dans ça. Moi, aujourd'hui, je me déclare. Ça dit que tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux, je ne suis pas dedans. Que mon nom sorte de vos bouches là-bas. Monica Z, Monica Z. C'est mon nom, là. Monica Z, là. C'est ce qu'on a mis une première fois dans une vidéo. Et puis, j'ai su que quelqu'un existait. Oui, hein. C'est pas moi qui suis allé t'appeler. Oui, tu n'es jamais rentré dans mon inbox, mais c'est toi qui as dit mon nom première fois dans une vidéo. Est-ce que j'ai menti? Quelqu'un m'a envoyé, j'ai dit, je ne la connais pas. On dit, non, elle attend de parler de toi sur une affaire du bébé. J'ai dit, ah, ok. Après ça, je t'écoutais, je te trouvais très intéressante. Il y a quel problème? C'est pour Aya apprécier l'impacteuse là. C'est ça qui vous fait mal. La partie où Aya est descendue sur ma soeur, on s'est parlé. Ça dit, je ne veux même pas en parler ici sur les réseaux sociaux. Je m'arrête là, sur ce côté-là. Et je vois si des gens sur ma chaîne YouTube, non, c'est comme ça, tu as défendu car j'ai dit, j'ai eu un administrateur. Je vais vous, ça dit que vous qui venez poser un commentaire contraire, je vous bloque, je fais, ça dit, je vais faire un nettoyage de ma paille. Parce que les gens qui sont vrais, les gens qui aiment la paix, ils m'ont dit, l'impacteuse, c'est bien ce que tu as fait. Mais c'est bien, donc on va rester dans la haine tout le temps. Quand on est là pour éduquer les enfants. Tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux là, hein, c'est quand on arrive en Occident, on éduque. Quand on est en Afrique, là-bas, on ne nous éduque pas. Arrêtez un peu. Arrêtez de venir vous jouer, ça dit que les sauveteurs sur les réseaux sociaux. Prenons les réseaux sociaux pour chercher l'argent. Hein? Prenons ça pour chercher l'argent. Prenons pour que nos problèmes, hein, on est dans les pays occidentaux, là, on a des problèmes, comment on appelle ça, en Afrique, là-bas. De où on est assis, là, on n'a qu'à régler nos problèmes qui sont en Afrique, là-bas. Il y a quel problème? Il y a quel problème? Et puis, on ne peut pas respirer. Vous, les mêmes abonnés cogneurs de tête, les quadés, là, vous prenez ici, vous emmenez ici. Hey! J'ai dit, écoutez-moi bien. Tous ceux avec lesquels j'ai eu les conflits sur les réseaux sociaux, là, le jour que je sais qu'ils sont dans mon environnement, là, je vais les saluer. Je vais rire avec eux. Je vais piquer la jasette avec eux, comme on dit au Québec. Et puis, je passe ma route. J'ai mes enfants élevés. Vous voulez que moi, ils prennent la haine des réseaux sociaux pour mettre sur moi? Non, 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 non. Je ne prends pas haine des réseaux sociaux. Comme a dit mon mari, j'ai dit à mon mari, ah, comme en fait, t'es avec, il a dit, mais Aya m'a insulté. Je connais le visage d'Aya. C'est pas ton canal, m'a insulté. C'est qui Aya? Je ne la connais pas, chérie. Donc, ce n'est pas mon problème. Quelqu'un que tu ne connais pas, on dit la personne t'a incité. Et puis, quoi? C'est quoi le problème? Hein? C'est quoi le problème? C'est ça que je suis venu vous demander ce matin-là. Je mets pas, je parle à ma soeur qui est fâchée, qui est triste parce que bon, il y a eu une attaque sur elle. Vous venez vous gosier sous mon poste. Je ne vous dois rien. Je ne dois rien à aucun blogueur sur la toile. Vous savez que je suis capable de me défendre. Quand j'étais dans cette tempête-là, je ne me suis pas défendu parce que on m'a défendu. Ça dit que mon mari a dit ne te défends pas des gens proches de moi. Mais après, je me suis défendu. J'ai fait ma vidéo sur Lolo Beauté. Je croise Lolo Beauté demain. Je ris avec elle. Le jour que j'arrive à Bigan, je vais chercher à voir Makoso pour lui présenter mes excuses. C'est ça qui vous fait mal là. Je vais lui présenter mes excuses parce qu'il était dans une situation de fragilité. J'ai fait une vidéo sur lui. C'est clair. Il y a quel problème? On a tué l'homme sur les réseaux sociaux. L'homme est mort sur les réseaux sociaux. Tu m'as insulté, je t'ai insulté. On va pas quitter dans ça. On va rester dans... On va remuer, on va remuer. Mon âge ne me permet pas de remuer tout le temps sur les réseaux sociaux. Si c'est ça qui vous fait mal là, mourrez de votre propre mort. Vous comprenez? Hein? J'ai attaqué la dame, comme je dis. Je l'ai attaqué parce qu'elle m'avait déjà attaqué. Et c'est le même scénario qui se reproduisait. C'est ça qui vous fait mal. Mais souffrez encore de ça. Je ne vous dois rien sur les réseaux sociaux.
Je ne vous dois rien. Par les réseaux sociaux, là, aujourd'hui, là, Dieu merci, j'utilise ça à bon escient. Maintenant, si vous, vous utilisez les réseaux sociaux juste pour les vues, juste pour tant, 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 on les descend, tant, tant, tant. Aïe, ma fille, j'ai compris tes excuses. Il n'y a pas de problème. Le roi dit qu'il ne te connaît pas. Donc, il faut laisser tout ce que j'ai dit, que tu as honte de ça, tu t'excuses, tout et tout. Ce n'est pas grave. Laisse tomber. Apoutou, on m'a dit, Apoutou, un jour, il vient au Canada. Apoutou vient au Canada. Contrairement à ce que vous oubliez, Apoutou, c'est quelqu'un que le roi estime bien. Il l'estime bien. Donc, il vient au Canada. Là. Moi, je peux appeler Apoutou pour venir prendre un café dans ma maison. Il n'y a pas de problème. Ça dit, pour ceux même qui me connaissent, je vous ai dit, hein, du haut de mon âge que j'ai, je n'ai aucune rancune avec personne. Je fais mes choses. Si c'est qu'après, je me suis rendu quand j'étais froissé, je demande pardon. Ça, les gens me disent même, toi-même, la façon tu es fougueuse, on ne peut même pas imaginer. Je dis, oui, j'ai ce côté-là. Mais quand il sait qu'il fait mauvais aussi là, ou bien quand il sait que j'ai offusqué l'autre, je passe dessus. Donc vos haines des réseaux sociaux, vous allez me plonger dedans. Ça, c'est pas ma tasse de thé. Je vous dis ça. Oh, ha. Je suis venue toute seule sur les réseaux sociaux. Je me défends toute seule. Et je reste toujours dans ma même gamme. Il y a les buzz, j'en parle. Et je vois des énergumènes, des chiens perdus sur les réseaux sociaux. Hein, sur ma page YouTube, en train de me comparer. Arrêtez de me comparer aux autres coachs. Vous comprenez? Hein? C'est comme ça qu'elle avait commencé là. Vous l'avez comparé à la grande. Maintenant, vous êtes quitté là-bas. C'est pour venir comparer. Tu me compares à une autre coach. Là. Je descends sur ta mère dans ton commentaire. Regardez-moi ceux-là. C'est vous qui m'avez envoyé sur les réseaux sociaux. C'est vous qui m'avez envoyé. J'ai toujours dit que c'est les abonnés qui attisent la haine entre les gens. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Et on entend un nom. C'est parce qu'elle a défendu Eka. On ne défend pas Eka. On la défend pas. Je l'ai défendue. Non, pis faites ce que vous voulez. J'en ai ma claque là depuis hier. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Non, pourquoi c'est maintenant tu viens la défendre? Je l'ai, c'est maintenant tu viens l'attaquer. Je l'attaque en temps et lieu. Quand ça me tente. Quand tu as fait quelque chose à l'autre là, faut t'attendre à ce que l'autre va venir t'attaquer un jour. C'est les réseaux sociaux, non? Où c'était sur elle là, celle-là? Hein? Quand je suis venue, j'ai interpellé l'autre côté dans une vidéo sur, comment on appelle ça, sur Carmen Sama. Elle m'a répondu. Elle ne m'a pas répondu. Elle a laissé. Après, j'ai fait une vidéo. Oui, c'est vrai, dans le décès de son frère. Il y a d'autres vidéos que j'ai fait quand même pour soutenir son frère. Mais le jour que c'était sur moi, elle a saisi. Elle a fait son bim sur moi. Moi aussi, j'ai fait Joyeux Noël sur elle. Donc, c'est match nul. Donc, on ne va pas sortir de cette haine-là. On ne va pas sortir de ces querelles intestines-là. J'ai ma fille à élever. C'est quand vous savez pas, j'ai deux enfants. Hein? J'ai deux enfants. J'ai mes filles. Souvent, quand vous m'entendez parler, vous dites mes filles. J'ai mes filles à élever. Hein? L'éducation, là, en Occident, c'est très délicat. C'est pour ça, souvent, quand je fais, je mets un peu d'eau dans mon vin. Donc, votre haine des réseaux sociaux, là, moi, je ne vais pas transcender ça dans ma maison ici. Quand j'ai fini pour les réseaux sociaux, ça s'arrête sur les réseaux sociaux. Donc, l'impacteuse n'a aucun problème avec personne sur les réseaux sociaux. Voilà. Retenez ça. Maintenant, si vous souffrez, désormais là, mon nom est dans un buzz. Je ne demande personne de venir me défendre. Je ne veux pas de défense. Hein? Parce que quand on te défend là, ça devient affaire sur ta tête. Je ne veux pas que quelqu'un... Je suis capable de me défendre. Vous m'avez vu, hein? Je peux donner une offensive poivrée, comme salée, comme pimentée. Donc, je sais me défendre. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Donc, si c'est tout ce que vous avez vu là, maintenant vous souffrez de ça. Souffrez de ça. Je fais aujourd'hui la paix à Aya. Je fais la paix à Lolo Beauté. Bon, Apoutou, c'était déjà réglé. Je fais la paix à Makos aujourd'hui. Je fais la paix même à Ividero. Fini là aujourd'hui. Quand j'arrive à Bigan là, je fais la paix à tout cela. Hein, tu avais défendu tant. Ça dit, c'est pour ça qu'on va être toujours les derniers. La façon dont on est en train de faire sur les réseaux sociaux, vous prenez votre temps, commentez ici, commentez, on vous paye. Arrive Money, hein? Arrive Dassi, il n'y a pas Dassi sur vous là-bas dans les commentaires. Vous prenez, c'est comme si c'est une personne que vous aimez, des gens que vous n'avez jamais vus, juste pour leur façon de parler, juste pour leur raisonnement, vous les prenez, vous les mettez sur un certain saumon. Oui, c'est vrai, on peut aimer une personne, mais à un moment donné, on peut dire, bon, ça suffit. Non, vous ne dites jamais ça suffit. Hein? Vous ne dites jamais ça suffit. On peut faire comme quand on voit que bon, c'est plus nécessaire, on laisse. Non, c'est pas ça. Parce que quand on parle des bons sujets, je dis que vous n'êtes pas là-bas. C'est où on va chercher les buzz. Donc arrêtez de diaboliser les autres. Arrêtez de les diaboliser parce que vous n'êtes pas mieux que les autres. Voilà, c'est ce qu'elle tenait à dire aujourd'hui.
Donc, comme je t'ai dit, ma chérie Francine, prends ça comme ça. Tu n'as pas le choix. Je ne veux pas que tu sortes. C'est pour ça que j'ai fait ça comme ça. Sur ce, prenez soin de vous, partagez. Partagez. Et puis ceux qui sont frustrés là, ceux qui ont un problème, ils vont venir répondre. J'ai dit que je ne réponds pas à ça. Voilà, je ne répondrai pas. C'est fini. J'ai dit à ma nièce, tu ne réponds à rien. Et j'ai dit aussi, tu ne réponds à rien. Ce n'est pas mon problème. Ma vie continue. Comme on dit, ma vie chauffe. Cherchez à rêver vos vies là-bas. Au lieu de prendre les problèmes des autres, toujours pour les charger, pour les charger. Et en train de trouver les mille défauts sur les autres. Mais remettons-nous nous-mêmes en cause. Donc aujourd'hui, là, je suis venue me remettre en cause. C'est ce que j'avais à vous dire. Partagez la vidéo, mes personnes. Partagez. Moi-même, je vais être sur le direct tantôt pour pomper les cœurs avec vous. Si ce, prenez soin de vous. Au revoir.